Alors là, c'est la fabrication des produits ménagers. La lessive, l'adoucissant, le produit pour le lave-vaisselle et le lave-tout. L'idée, c'est de partager des recettes qui fonctionnent. On commence tout doucement par la lessive. Allez. C'est 1 litre avec les 40 grammes. Il y a eu beaucoup de scandales ces derniers temps sur des produits qu'on retrouvait soit dans l'alimentation, soit dans les produits pour le corps et tout ça. Et je pense que là, il faut vraiment qu'on prenne les choses en main. Déjà, c'est amusant. C'est facile à faire. Ça coûte moins cher, faut le dire aussi. Et puis, bah, y a le fait de limiter le nombre de déchets. C'est bien aussi pour ça qu'on est là. Donc là, c'est ma lessive qu'on a laissé reposer une heure. On a rajouté de l'eau chaude maintenant pour se partager la lessive à nous trois. Et demain, on va rajouter de l'eau pour remonter jusqu'en haut de la bouteille. Il s'agit d'une poudre à lave-vaisselle. Il y a juste 3 ingrédients à mélanger. Super simple et pas d'effet chimique, pas de surprise, rien ne mousse, rien n'explose. Donc les paillettes étant un peu épaisses, il nous est conseillé après de mixer et simplement de mettre une cuillère à soupe dans notre petit lave-vaisselle en rentrant chez nous. Voilà, on pourra tester. On prépare un lave-tout. On va tout laver avec. Je voulais apprendre à faire mes produits ménagers parce que je me posais pas mal de questions sur ce qui pouvait contenir mes lessives, etc. Donc je repars avec ma lessive, mon lave-tout, une poudre à vaisselle. J'ai même fait mon tawashi, c'était la première fois que je faisais mon tawashi, c'est une petite éponge qu'on fait soi-même. Je vais vous présenter la fabrication du lave-tout, comme son nom l'indique, pour une utilisation sur toute la surface de la maison. Pour cela, il vous faut 900 ml d'eau chaude. Dans votre eau chaude, vous versez 50 g de bicarbonate de soude ou alors 2 cuillères à soupe bombée, ce qu'on va faire maintenant. Et ensuite, vous ajoutez 10 cuillères à soupe de vinaigre. C'est là où ça mousse. Et donc, vous pouvez mettre de l'huile essentielle, 8 gouttes d'huile essentielle de lavande.